Mon petit plaisir, c'est le café le matin. Ma fille, elle saute. Nadine, tu sautes pas, saute pas. Bonjour, je suis Boutaina Alouadi, je suis étudiante en quatrième année, manager projet informatique à l'école Hexagone. Moi, je m'appelle William, j'ai 21 ans, je suis à l'école Hexagone en quatrième année. Je suis venu ici pour faire de l'informatique. J'ai choisi l'école Hexagone parce que je trouvais que le cursus qu'ils offraient correspondait à mes ambitions professionnelles. Le changement, le fait que les cours sont structurés, que c'est propre, que c'est beau. Quand je suis arrivé ici, ce qui m'a impressionné en premier, c'est la clarté et la luminosité de l'établissement. Les locaux sont super propres, c'est vraiment très agréable d'être en cours ici. En arrivant sur le campus de l'école Hexagone, j'étais agréablement surprise par la modernité des locaux, la grandeur des classes et l'espace partagé. Ce que je kiffe le plus à l'école Hexagone, c'est la possibilité de faire des cours en présentiel ou bien en virtuel. Et moi, en tant qu'une mère, j'ai la chance de ramener ma fille en ce moment dur de confinement. C'est vraiment un pur plaisir. Le truc en plus, c'est les locaux, l'infrastructure et effectivement tous les services qui sont proposés à l'intérieur. Mon petit plaisir, c'est le café le matin. L'ambiance, elle est trop cool ici à l'école Hexagone. Avec l'équipe pédagogique, on se sent bien. On n'est pas un numéro, on est un élève et on est un élève dans un groupe, dans un groupe plutôt restreint. Et du coup, on est un peu comme une famille et c'est quand même plutôt agréable. Il y a de l'ambiance. En dehors de l'école, je suis un gros joueur de jeux vidéo. Je passe beaucoup de temps sur Final Fantasy XIV. En parallèle de l'école Hexagone, je suis une artiste. Donc, je suis connue sous le nom de Medusa TN. Je suis rappeuse tunisienne basée en Île-de-France depuis 4 ans. L'équipe pédagogique ici à l'école Hexagone me soutient de ouf. Hexagone, pour moi, c'est la porte vers mon futur. Hexagone, c'est fun.